dernière ligne droite dans le mode survie. On va s'attaquer aux toutes dernières opérations. Direction dératisation. Opération Monarque. Alors, on regarde un petit peu où est-ce qu'on va commencer. Ici, ça devrait aller parce qu'on est dans un coin. Là, par contre, on sera au milieu de tout le monde. Le château, ça a l'air d'être à l'extérieur. Et enfin, ici, ça pourrait être bien le plus dur, hein, parce qu'il est exposé de toutes parts. Peut-être pas beaucoup de points pour se protéger. Toujours le même équipement, on aura tout fait avec ça. Ça aura bien fonctionné. Je pensais que c'était la dernière, celle-là. Ouais, ici ça peut être... Ça peut être tendu. Ça peut être tendu. S'ils veulent rentrer. Ce sera par là. Côté... ici, ça peut aller encore. Le problème, c'est quand ça va aller venir de derrière et de par là. Pas plus mal, finalement, de commencer ici. Hein. Il y a moins de monde. Petite personne. Je me disais là s'il arrive à continuer de courir après et ça et d'aller et les quatre premiers ça arrive par là. Si on a le temps de réagir ça va, mais ouais, le temps d'arriver ici sont déjà chocos ça. Dézoomer un peu parce que je suis un peu près. Ah l'autre il fuit les temps. Il en reste plus que deux. Et puis on va les piéger les corps maintenant. Le temps que l'autre crève. Schéma idéal. Ça s'est bien passé. Bon, ils étaient pas très nombreux donc. J'irais mieux piéger les autres corps là à l'entrée lors de la deuxième vague si je peux. On va se concentrer ici, ils ont l'air d'être un peu espacés, ce qui est pas plus mal. Thank you.
Pareil. Question, c'est ce qu'ils vont emprunter ce passage-là ou ils vont traverser? Ça traverse sur la gauche. Si je pouvais en taper un ou deux là, parce qu'à mon avis, ils vont... Ils vont continuer avec leur copain. Ouais, ça tourne. Ça faut vraiment passer quelque chose. Moi déjà faut que j'arrête de coller galoper lui, hein. Merde, disons, il... Ouais. J'allais dire, il a mis... Il a été rapide à crever, mais je pense qu'il avait déjà pris... pris la bastos il y a un petit bout de temps. Comme j'avais un souci, parce que je suis très loin. J'ai pas pu me rapprocher. Bon, par contre, on sait que ça... ça va jouer encore ici. Les différents points restent très proches les uns des autres. Ce qui est pas plus mal hein, par rapport à tout ce qui est mis en place de pièges et autres. Au moins, on sait qu'on va en profiter. Bon, là, c'est un peu couillu ce que je fais. Hein. Ils sont 17 et je suis à des plombes de mon. Et je vois personne donc je profite même pas de mon. Ah, ça arrive. Peut-être finalement. Ok, par là, qu'est-ce qu'on a? Merci, t'as révélé ta position en tirant. Il y en a un autre. Joli celui-là, il tire dans l'œil. Je sais pas où ils sont. Oh là là, la glissade à la Max Payne pour je pense sniper au loin hein. Je sais pas si je vais te taper le sniper à force. J'ai de la chance hein, Isaac. Ils sont concentrés sur moi, ils n'ont pas attaqué le... C'est par contre, c'est l'intérêt d'avoir une arme sans silence, c'est que... On attire les ennemis... Je sais pas où il est... Attends, je pense qu'il y a une ligne de... De tir, on va laisser la ralentir pour voir un peu où il se cache. Il y a un bâtiment derrière tout ça. Attention, ils sont près de mon... Ouais. Ils ont été gentils. Bon, l'autre il va crever, maintenant il reste plus que le snipe.
Heureusement que j'ai le voyant rouge, hein. Hey, plus que... plus que beaucoup. Fille de tout prendre avant de se barrer. Oh là, on n'est pas très loin. Ce qui finalement fait que ça change pas grand chose, hein, au vu de la manière dont on a, joué. C'est là où le fait piéger toute la zone est très très utile. Piège, hein. Dix-sept, ça monte, ça monte. Très très mauvais. Donc là, ça me protège du que dalle, ça. C'est peut-être un peu mieux. Ils seront déjà deux en moins. Là, j'ai besoin d'être précis parce que tirant entre les... On a piégé notre ami, hein. Alors, ça arrive. Par là, je sais pas. Ouais, c'est de l'intérieur du bâtiment. Qui... Alors, on va rentrer notre patinet. Pour l'instant on gère bien. Après, que taper la moitié de la vague. Donc... Ouais, bon endroit ici je pense, parce que j'ai un bon visu pour défendre mon avant-poste. Et je peux taper là, là. Et assez rapidement, s'il y a une colonne qui arrive, ici, je peux la démonter. Faut juste qu'ils arrivent pas tous en même temps. Derrière, ça tient. Dépêche-toi, ça va arriver sur la l'arrière droite là. Putain, voilà. Vu à peine arriver, me joue direct. Attention, on ferme l'angle. De toute façon, c'est des maths, hein, ce mode. Faut tenir les comptes. En fonction du nombre, bah, ça change tout. Hein, parce que se faire entourer par 2-3 gars, ça va encore. Se faire entourer quand il en reste 15, c'est la mort. Et puis faut arriver à faire en sorte d'être exposé un minimum et de pouvoir rapidement avoir une vue dégagée sur tout. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup dans ce mode, au-delà du côté on kill à foison, c'est trouver le bon positionnement. Bon, piéger certaines zones de passage, bon, c'est rigolo, même si bon, stratégiquement ça a son rôle aussi. Breaks over. Enemy incoming. Je dirais que c'est un peu le dernier rempart. Mais... Les explosifs. Faut pas trop compter dessus parce que des fois. Ah tiens. Ça arrive ici. Ça pète pas comme on voudrait.
pas le coup de changer de balle pour tenter de faire sauter la pièce. Attention, ça arrive encore. Ouais, ils viennent tous de là. Hein. Oula! Oh là là la roquette! Oh, je pense que mon tir a dévié la trajectoire parce que. Ils sont plutôt habiles normalement. Hein. Du coup, il balance une grenade. J'ai cru que son geste. Il allait envoyer une grenade. Alors, le dernier, je vais. Exprès d'attendre un peu, je vais charger mes balles, j'ai beaucoup tiré. Impec. Bouge pas, hein, loulou. Du lance-patate, hein. Oh là! Alors ça c'est moyen, ça. Le véhicule qui fait en sauter à la fin de la vague, j'ai pété toutes mes pierres. Bon, c'est malin, hein, comme système de... Enfin, le pistolet me plaît bien, là. Être très utile. Find some cover, bastards ain't done with us yet. Enjoy les enfants. J'ai pas fait gaffe combien ils étaient en début de vague, mais ça a dû toucher parce qu'il y a plus de. Il y a plus de rouge, mais j'ai l'impression que tout de suite c'est tombé à 12. Ça doit arriver en face, mais je vois rien. Putain. Ça arrive. Je me dépêche parce que. Putain, alors j'ai jamais eu ce cas-là. Mon dieu. Le blindé qui passe le sang. Il y a un mec qui traîne là. Ah ouais, là, très bien joué, techniquement, là. J'ai été surpris. Bon, ils sont plus que 5. Tout va bien. Le coup du tir de barrage m'a énormément aidé. Par contre, ici, il sait pas faire l'opération inverse. Certainement la position que le blindé. Ah si, là il sait faire. Hein. Bon. C'est déjà comment on va le tuer.
même utiliser le deuxième. Vu que j'ai pas trop d'angle. Impeccable. Et puis on va partir avec ça. Alors, où est-ce qu'on est ici? J'ai du mal à me situer. Hein. Ça peut arriver par là, par là et par là. Alors, attention à la végétation parce que c'est des faux murs. Hein. On peut se faire surprendre. Ça peut être un avantage, mais souvent ponctuel. Hein. On a plutôt tendance à prendre plus de balles. Alors, en termes de spot, ici ça peut être bien si on maintient bien l'arrière. On a un bon visu pour tuer tous ceux qui sont dans notre zone. Avec ce mur et là. Tac, je suis protégé. Là, je suis protégé. C'est ici, là il là, y a un angle où je peux me faire avoir. Faut retenir l'arrière en fait. C'est la priorité, par contre en termes de positionnement, ça peut être peut-être bien d'être là-haut. Parce que là je suis dans un trou en fait. On va rester là. Ça a touché deux types mais le deuxième est pas mort. Pour l'instant, on est bon. Il semblait bien que je voyais remuer au début, je crois que c'était une feuille. Ça correspondait à la tâche rouge de mon radar. La stratégie, c'est plein de petits groupes qui sur moi. On les a bien gérés. C'est bien parce que c'est un bon... Ah merde, je suis en train d'utiliser mes balles perforantes. Encore, je me disais pourquoi je peux pas prendre mes balles. Faut que je trouve mon... Merde. Je suis en train de faire le couillon et se rapproche. Le mec avec son tir de mortier. Non. Ah ouais, où est-ce qu'elle est ma caisse? Ça arrive. Elle est derrière. 18. Mission, impeccable. Alors, voyons voir par où ils ont tendance à attaquer. J'irai qu'ils passent par là. Donc ils ont l'avantage. Merde. Gardez en mémoire ma connerie de tout à l'heure. Par contre, d'ici, ils peuvent pas me... À part balancer une grenade, à mon avis, les gars, là... C'est pas faire. Il en restera. Inutile de dire que je vais piéger joyeusement... ces petits poussins, là... Ah ouais, t'es obligé de descendre, hein... Ils t'ont pas expliqué comment faire pour me buter quand je suis là. Parcourir... Raté. Ouais, non, peut-être pas tout piéger. Sinon, tout va sauter d'une traite. Bon. Plutôt confiant sur ce. Ce spot. Et même s'il y a un blindé, bon, il m'empêchera de tirer de loin, mais je pourrais toujours me reculer. They ain't all dead yet. La structure ici va protéger un petit peu. J'aurai une chance sur deux que le truc soit arrêté. Oula, sniper. Okay.
j'ai la haie qui me... qui va me gêner. Bien joué en plein mouvement. Ça a arrêté juste avant de passer devant moi. Oh attention. Sniper, putain. On a collé un bleed en plus. Il y a un mec derrière, on a profité pour. D'accord. Great shot. Pour me shooter. Peut-être me soigner. Avant que ça arrive. J'ai compris pourquoi la caméra pique comme ça. Faut que je le tue. Passer. Et bien, 14. Là, on attaque les vagues. Ça arrivait par là. On va rester ici. On va pas prendre de risque. J'aurai un bon visu là quand ils vont passer ici. Pendant ce temps-là, ça progresse. Et... pas mal. Je pense qu'il faut que je tienne ici. Ah bah voilà, ils en ont profité pour. Assez joyeusement. J'ai tiré au moment où il changeait de direction. Ça serait plus compliqué de le taper. Ah, il en reste encore 7 hein. Parce qu'il faut voir qu'on n'en tue pas hein. Ça arrive de par là. Ça a arrêté. Ah non, il passe en... il passe pas à l'endroit que je pensais, ouais. Ah, attends. Non, ah, la haie me protège. Moment du rechargement. Il a fait diversion pour ses petits collègues. On a les derniers. Il y en a qui partent sur le côté. Je vais me poser des petits soucis. Alors, le mec, il est trop fort, hein. Alors que ça passe à travers la caisse, ok, mais qui me voie à travers la caisse, là par contre c'est un petit peu plus limite. Hein. On va les piéger.
Ça gère bien. Toujours. Retourner au camp. Enemy hostiles inbound. Pas mal ce petit spot. Ça va sortir de là. Hein. Ça a l'air de passer plutôt sur la gauche. Non. Je les vois plus. Hein. Ah, fantassin éliminé. Ah bah encore, ouais, décidément il passe là où faut pas les... Ah, ça arrive de partout là, on voit à droite, ça me fait même un peu peur, ouais. T'es obligé de... Attends, je vois plus rien. Pas bon du tout là, là c'est pas bon. Je vois rien. Ah oui, parce que à des endroits où j'ai pas de visibilité, ça va être un merdier là. J'en reviens pas. Je comprends pas où ils sont. Ouais, bah. Et ouais, ouais. Double élimination à la. Heureusement, mes petits explosifs ont marché. Il y en a encore un qui essaye de. Alors là aussi, le mec, il est très fort. Hein. À peine il déboule de derrière le mur, il me shoot direct. Hein. Bon, je n'ai tiré un coup de ce jeu bien, il est fort, mais. Pareil, la statue est très bien placée. Alors bon, elle peut nous gêner un peu. Elle me permet de m'offrir une petite protection. Voilà, ça rush. Là, j'aurais bien le temps pour. J'ai quelques corps. Allez, dernier spot.
Alors, point positif, on est plutôt dos à la carte, ce qui fait que, bah, en fait, il y a un goulot d'étranglement, ça ne peut venir que de là. Par contre, je regarde, le point à défendre est là. Ça peut arriver ici. Et puis, à la rigueur, si je tiens ce mur-là, je tiens cette allée. Ici, j'ai juste à dépasser un peu ma tête et à flinguer à tout ballon. Là, j'aurais tendance à dire, hein, je vais peut-être, peut-être le regretter dans pas longtemps, mais franchement, à défendre, ça me paraît bien. More of them incoming. Get to cover. Ah, là, tiens, là, il... je pensais pas que ça arriverait si vite par là. Ils attendent comme des petits lapins. Par contre, les herbes offrent un très bon camouflage. Il y en a un qui est pas très loin là. De piéger cette zone là parce que ça arrive en masse. Merde, je sais pas si je vais avoir le temps de les voir. Voilà, je suis. Je suis exposé à un véhicule. C'est bien, au moins ils sont plus sur le. Sur mon point de contrôle, parce que je crois qu'il y a un véhicule, j'ai plus le temps. Ouais, j'avais qu'une demande, c'était pouvoir au moins que je le tue, je savais que j'allais prendre son... J'ai cru qu'il tirait au RPG, puis après j'ai vu grenade, c'était un peu bizarre. Je sais pas ce qu'il fait, prendre mon poste ou quoi. Bon, eh ben écoute, hein, le char, hein, t'attendras deux secondes parce que j'ai tout un tas de tes petits potes là qui sont positionnés de manière bien tentante. On va récupérer des balles en plus. Oh là, oh là, oh là. Ah, putain, il est malin. Hein. Il est malin. Waouh. Papa, putain, il m'a tiré dessus. Oh.
Non, foiré. Quel menu, hein. Panzerfaust. S'occuper de toi. Je voulais y aller, mais bon, je tombe sur des corps. Je suis obligé de. J'espère presque qu'ils vont pas passer par là lors de la prochaine vague, ce sera pour la dernière. Je vais faire le plein de tout avant que ça disparaisse. J'y touche pas. Il y a une petite fenêtre là, ce serait l'idéal. Forcément pas de bonus par rapport aux dégâts hein, vu le comment il m'a couché. Bon, on va attendre ici patiemment. Ouais, j'aurais peut-être pu aller poser quelques mines à droite. Ce qui est bien, c'est qu'en traversant, voilà, hop, assez rapidement, je peux avoir un visu sur ce carré. Par contre, ça reste super prêt tout de suite. Ok. C'est par le snipe. Par contre, généralement, ils sont deux. Et le radar, ça arrive pas à gauche. Là, je vais pas taper la grenade. Paru aussi sec. Bon, je suis un peu exposé, mais mon radar me dira si quelqu'un arrive. Pas mal. Ouais, bah en plus, c'est les amis, tout ça. Ouais, c'est marrant, ils traversent par là. Tout se
Ils sont encore 7. Allez, si je peux faire une balle à mort, ça serait bien. De toute façon, à chaque fois que je dis ça, bah je peux pouvoir tourner. Parfait, ils font le tour, ça va me permettre de choper des mules. Ils arrivent pour moi. Parfait. Bon bah j'avoue, j'attaque la dernière vague tout confiant. Que ce soit par rapport aux deux premières vagues qu'on a eu ici, tous les pièges qui sont mis, franchement, piégés à gauche, à droite. On voit qu'en tenant cette route, on bat là, on se balade à droite, à gauche et on arrive à taper. Enemy incoming, find some cover, get ready. Alors, où est-ce que ça arrive? Par là. Ouais, j'ai pas trop envie que tu me tires aux obus là. Oh merde, derrière. Alors eux par contre je les ai pas vu venir. Alors attends, ça attaque par où? Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que là où j'étais, où je me suis concentré, il en reste pas un seul, donc je vais pas me faire tirer dessus de ce côté-là. Pas de tension ici. Tout le monde est devant moi, il n'y a pas de. Pas de mec sur le. Côté derrière. Merde. Je les vois pas. Et là, il en reste un qui va me pourrir les distances. Je vais être vif. Hein. Dans les changements d'armes, je vais pas recharger, j'ai rechargé après. Oula, je pense que j'ai bien fait de pas recharger parce que je vais pouvoir taper la colonne là. Il y en a un qui est passé, il reste 10. Je sais pas où il est. Peut-être le moment de
un go back. Histoire de les... effrayer un peu. Attention. Voilà, encore je me disais, il a mis un peu de temps à tirer. Y'a un mec qui veut me surprendre de ce côté là. Science. Ah, je peux tirer à travers la toile. Et derrière. Enfin, c'est les deux derniers. Ils auront pas mis le pied dans mon home sweet home. Pas de char. Hein. Et voilà. On en a terminé avec le mode survie et cette map. C'est bien sympa. Bon, par contre, quand on est dans une position un peu enterrée et que les mecs peuvent venir tout autour, ça peut être compliqué. Donc, j'ai terminé toutes les opérations d'une mission. On a fait les 4 opérations sur cette map. Alors, lors du prochain épisode, eh ben, on s'attaquera à la 4ème opération de la seconde map. Ça sera l'avant-dernière.